Je voulais remercier Madame Papin pour la clarté de son exposé et surtout le soin qu'elle a pris à répondre à toutes les interventions de tous les interlocuteurs qui se sont exprimés avant. Je pense que l'intégralité des adjoints ici présents devrait s'inspirer de la rigueur avec laquelle Madame Papin a préparé sa réponse. C'est rarement le cas et je tenais à le saluer. Autre chose que je voulais rajouter, cette fois-ci plus sur le fond, parce que c'était très intéressant ce que vous avez répondu, Madame Papin, donc je tenais quand même à rentrer dans le fond du sujet. J'ai pas très bien compris la considération visuelle de on regarde les gens, on regarde pas les gens, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme. Oui. Moi, ces sujets, je suis très très loin de tout ça et les considérations personnelles de genre m'intéressent quelque part très peu. Je vous ai interrogé sur le fond, ma prise de parole portait sur une vision stratégique, sur des orientations. Donc je sais pas exactement à quel moment vous avez mal pris ça personnellement, mais quelque part ça m'intéresse pas beaucoup. Est-ce que je suis sévère de ce point de vue-là? À mon habitude, vous avez dit, je crois pas, au dernier conseil municipal, j'ai salué la mise à sens unique de la rue de Pessac, monsieur Jean-Jean s'en souvient encore. Donc vraiment, non, vous m'avez très très mal jugé. Alors je comprends que mes remarques vous déplaisent, parce qu'effectivement, elles mettent en lumière les insuffisances de votre politique en matière de relations internationales. Et je trouve ça dommage que dans la phrase d'après, vous assumiez le fait d'avoir commandé un rapport, d'avoir attendu 3 ans pour pondre une stratégie, d'avoir commandé un rapport sur lequel finalement vous ne vous appuyez pas, ou très peu, mais vous l'assumez, c'est déjà ça. Donc 2023-2026 pour une stratégie internationale d'une ville, ça me semble un peu court. Hein. D'ailleurs, le rapport le mentionnait. Hein. Il y a besoin de plus que 2-3 ans pour faire tout ce que vous avez promis de faire. Donc moi, je vous dis que vous ferez pas le quart de ce que vous avez dit que vous ferez. Et c'est encore heureux, puisque ce que vous avez dit que vous ferez n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc tant mieux. Et enfin, dernier point sur les priorités géographiques. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Vous venez de nous expliquer que vous avez sélectionné des villes. Alors certaines le sont sur la base des droits humains, et tant mieux. En revanche, sur les priorités données géographiquement parlant, sur les partenariats historiques de cette ville, notre proximité géographique avec Madrid, Porto ou Casablanca devrait vous interroger de manière beaucoup plus approfondie sur qu'est-ce qu'on fait de ces partenariats. Madrid, une liaison TGV, il n'y a pas un mot dans votre rapport. Porto, la filière viticole, pas un mot non plus. Casablanca, le partenariat avec le rectorat marocain, tous ces étudiants marocains qui viennent à Bordeaux passer leur baccalauréat, qui sont corrigés par l'Académie de Bordeaux dans le cadre de leurs études. Tout ça, il n'y a rien dans votre rapport. Donc, au-delà des considérations personnelles que je regrette, sur le fond du sujet, on est passé à côté de l'exercice. Voilà. Non.